Eh bien bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo cocktail sur la chaîne YouTube DJ Miguel. Alors oui, effectivement, ça fait un sacré moment que j'ai pas tourné de vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, tout ce temps que j'ai pas pu vous faire de vidéo, voilà, j'ai consacré tout mon temps à mon bar. Voilà, donc j'espère qu'il vous plaira. Ça fait quand même beaucoup plus professionnel que tourner dans la chambre de mon frère. Voilà, donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Mojito. Voilà, donc j'espère qu'elle vous plaira. J'espère que vous ainsi que votre famille, vous allez bien. Respectez les règles. Et c'est parti. Alors, donc pour ce faire, le Mojito, donc j'ai du citron vert, de l'amande fraîche que j'ai récoltée dans mon jardin. J'ai gardé les bouts pour la décoration. Donc, du sucre fin, blanc ou roux, au goût des personnes, peu importe. Ensuite, du sucre de canne liquide. Bien évidemment, du rhum ambré. De l'eau gazeuse. Donc c'est un cocktail qui se prépare directement au verre. Donc j'ai utilisé ces verres là, mais vous pouvez aussi très bien utiliser un autre verre, le verre que vous souhaitez. Un verre tumbler par exemple ira très bien. Mais moi j'ai l'habitude d'utiliser ces verres là, donc aujourd'hui voilà. Un pilon pour piler le citron puis le sucre. Une pince pour prendre les citrons, la menthe. Puis un verre doseur. 2 centilitres de ce côté-ci, 4 centilitres de ce côté-là. Voilà. Donc, alors c'est parti, on va commencer par la première étape. Je prends le verre, la pince, donc je mets 1, 2, 3 et 4 morceaux de citron. Pour l'instant, 2 petites cuillères de sucre. Voilà. Alors moi, je fais partie de l'école qui pile pas la menthe. Donc voilà, vous allez faire comme ça pour aujourd'hui. Donc ensuite, pour piler, pour éviter que de vous éclabousser, vous mettez la main bien sur le verre, comme ceci. Et vous pilez le tout. Histoire d'extraire le jus du citron. Voilà, donc comme ceci, ça c'est suffisant. Ensuite, vous pouvez y ajouter 4 centilitres de sucre liquide. Donc, voilà. On referme tout ça. Vous pouvez maintenant ajouter également 4 centilitres de rhum. Donc moi, je prends du rhum ambré. Beaucoup me diront qu'il faut faire avec le rhum blanc, mais je préfère le rhum ambré, car il est un petit peu plus fort, il relève plus le goût. Voilà, donc ensuite, par-dessus, je vais faire piler ma glace. Donc, pour ce faire, moi j'ai un blender qui est spécialement conçu pour piler la glace. C'est assez bruyant. Donc là, voilà. Donc une fois que vous avez réussi à obtenir de la glace pilée, donc la glace pilée, vous la versez dans votre verre. Donc à peu près, je vais vous montrer. Vous pouvez en mettre, n'hésitez pas. Voilà. Donc on va dire à peu près. Presque à plein, mais pas tout à fait. Voilà. Donc à peu près ça. Voilà. Ensuite, vous y ajouterez l'eau gazeuse par-dessus.
Donc moi, je verse comme ça à l'œil. Regardez. Voilà, à peu près comme cela. Presque au vert au moment où il est plein. Vous y ajoutez un petit peu par rapport à la déco, à peu près jusqu'au dessus. Voilà, à peu près comme ça. Ensuite, vous prenez un touilleur, vous le placez jusqu'au fond sans oublier la menthe. Voilà. Environ 4-5 feuilles, à peu près. Voilà. Vous les faites bien descendre en bas. Vous remuez tout ça comme il faut. Vous êtes censé voir dans le verre que tout est en train de remonter. Voilà. Le rhum ambré donne plus de couleur au mojito. Vous pouvez remuer correctement, n'hésitez surtout pas. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez y ajouter une petite décoration. Vous pouvez bien écarter comme il faut. Voilà. Que vous déposez délicatement. Vous y ajoutez une petite paille. Voilà. Puis vous avez le mojito. Voilà. Donc voilà. Donc à présent, vous savez comment réaliser un mojito. Vous pouvez régaler vos amis, votre famille. Quand vous pourrez vous retrouver après toute cette horreur ou cet été à partir de juillet et août, surtout gardez bien les distances de sécurité, les gestes barrières. Faites bien attention à vous, à vos familles, vos amis, tout ça, tout ça. Voilà, je vais pas vous rappeler tous les gestes de sécurité à garder. Vous les connaissez maintenant. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous redis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao !